Hello tout le monde, je suis Aïcha Kapoor-Osuma, créatrice de contenu digital et entrepreneur. La semaine dernière, comme vous le savez, nous avons fait découvrir une marque qui s'appelle Babia, qui fait dans le cosmétique naturel bio et qui travaille notamment le beurre de karité. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une marque qui s'appelle Oka Cosmétique Guinée, qui fait également dans le karité bio. Et d'ailleurs, j'attends Jupiter. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, bon arrivé. Oui, très bien. Ça va. Ça se passe? On est chez Oka? Oui, exactement. Oh. On est chez Oka. Bienvenue dans les vitrines Oka. Merci. Allez-y. On est super curieux. Moi, je suis curieux. Moi, c'est la curiosité qui m'emmène ici. En tout cas, le plaisir est partagé. Ouais, et je vous prie de venir. Les produits, là, ok. En fait, il y a deux versions. Exactement. C'est quoi la différence? Ah, c'est le prix. Ouais. Baume universel ultra hydratant. Mm-hmm. Et huile de sésame et monoeil de Tahiti. Ça doit sentir super bon, ça. Ouais, c'est ça. Oh, c'est super doux. Ah oui. Vous avez que du beurre de karité ou vous déclinez ça en d'autres produits également? Le beurre de karité, c'est notre produit phare. Et maintenant, on est en train de travailler sur d'autres produits, le miel. Et le savon noir. C'est sympa, ça. Et Oka Guinée s'occupe de la formation des femmes à la base, l'accompagnement en renforcement de capacité, et puis après maintenant achat de matières premières et assure la traçabilité de la production, tout ce que nous achetons. Et quand on récupère la production du beurre de karité, la matière brute, on les envoie en France. Et le conditionnement, l'élaboration du packaging se fait là-bas et après ça revient en Guinée pour la commercialisation. Et où sont localisées ces femmes-là? C'est à Dimboula. À Dimboula. Oui. On travaille avec la COPACAM. Okay. Et ensuite, nous travaillons aussi avec le WCF, le parc du Moyen Bafin, de Tigué. Et ensuite, à Dinkirai aussi, dans Kaliko, nous avons notre propre groupement formé. Donc notre ambition aujourd'hui, c'est de faire le labo qui peut nous permettre de transformer tout ici pour que tout ce qui viendra comme intérêt, pour que ça soit partagé avec cette population à la source. On ne peut pas finir cet entretien sans remercier les initiateurs de ce projet. ITC, le centre de commerce international, qui pilote ce projet depuis, je crois, 2 ans. Et aujourd'hui, on avance à grands pas à travers le financement qu'ils reçoivent de la part de l'agence coréenne. Remercier surtout la coordinatrice Nana Touré qui se bat et qui est toujours là à côté des PME bénéficiaires de ce programme. Avec tout ce qu'ils sont en train de mettre comme moyen et comme outil à notre disposition en termes de renforcement de capacité, accompagnement, je pense que la Guinée bientôt va se développer et la filière karité va redorer son blason, quoi. En tout cas, c'était un plaisir et pareil. Le plaisir est partagé.